Et bien salut tout le monde, c'est iPadGamer172, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur notre Let's Play. Et c'est parti. Aujourd'hui on va tout simplement continuer notre Let's Play. On va faire un enclos ici, j'ai déjà commencé un enclos à tortue. Et je vais essayer de tourner pas mal d'épisodes en avance et vous les mettre comme ça tout simplement. Et donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un enclos à tortue. J'ai déjà à peu près préparé l'entrée ici. Je vais aller faire des torches, donc il faut du charbon. Donc cet épisode va durer entre 10 et 15 minutes. Un petit épisode tranquille pour commencer. Donc les vidéos seront publiées à l'avance bien évidemment. Il y aura plus ou moins une vidéo par jour, soit du let's play, soit d'autres choses, vous le savez maintenant. Du coup c'est parfait, on continue le let's play, ça fait très longtemps. On va améliorer tout ce qui est, toute notre base etc, on va l'améliorer. Pour les nouveaux, pour ceux qui ne savent pas, regardez ici, j'ai une grande base avec pas mal de choses, hein, pour ceux qui le savent. On avait fait déjà ça ici, il fallait qu'on continue aussi. Mais ça fonctionnait plutôt pas mal. Là, ici, il y a encore une torche, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut laisser? On va laisser... Non. On a le charbon. Bon, ça fonctionnait plutôt pas mal, mais il fallait qu'on termine ici. Mais je vais vous montrer. On va vite planter ça. Comme ça, ici. Ça fonctionnait bien, du coup. C'est parfait. Hop. Hop, voilà. On va attendre que ça pousse. Logiquement, j'en ai ici. Voilà. Hop. Voilà, ça fonctionne bien. Et du coup, on avait fait cette ferme ici, mais on devait encore terminer. Je vais encore mettre des vitres et régler tout ça. On avait encore ici le portail du Nether. Voilà, il y a pas mal de choses à terminer. Ici, on a les petites usines de canne à sucre que j'avais fait vite fait, juste pour avoir des petites cannes à sucre. Voilà. D'ailleurs, elles vont nous servir juste après, vu qu'on va en avoir besoin pour l'enclos à tortue, vu que ça doit être parfait et très très beau. Du coup, il faut du charbon. Mais j'ai une torche ici, on va prendre la torche qui est ici. Voilà. Hop, ouais, voilà, on a deux torches, c'est parfait. On va aller carrément les mettre là-bas au-dessus. Vous voyez qu'ici j'avais fait ça exprès pour Halloween. Et regardez, c'est Halloween 2016, donc c'est il y a 2 ans. N'hésitez pas à voir les précédents épisodes, hein, donc du début jusqu'à la fin. On avait commencé sur mobile, on avait fait quelques épisodes sur mobile, on était revenu sur Windows 10, tout simplement. Donc voilà, hop, et hop, voilà. Donc là, on aura l'entrée. Et ici, on va faire l'entrée de l'enclos. Hop, 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 comme ceci, voilà, ici pareil, on va remettre deux, hop, hop, on va mettre, ouais, en hauteur cette fois-ci, et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ouais, on va changer, hein. On va mettre ceci, comme ça, hop, on en a plus, comme ça, ça sera plus facile, hop, comme ceci, voilà, hop, ici, on en met deux, pour faire tout simplement l'entrée. Bien évidemment, on va se faire une petite petite table de craft qu'on va placer en attendant ici. On va se faire des sticks. Non, c'est pas comme ça, c'est avec du bois normal. Je vais prendre, j'ai plus de place du tout. Ok, on va remettre les torches, comme ça ça libère déjà des places. Lui vient de refaire un œuf. Ok, ici j'ai un coffre. On a des sticks. Est-ce que ça se faisait? Bon, on a le craft ici. On va faire ça. Ça va aller plus vite. Voilà. Hop, hop. Et on va faire deux encore au-dessus. Du coup, il nous faut plus de sticks. Comme ceci. Voilà. Un. Et encore plus de sticks, bien évidemment. Hop. Là, on peut faire ça. C'est parfait. Ça nous aide vraiment beaucoup. Et du coup, on en met un ici. Un ici. Et quand on voudra passer, hop, hop, on passe. Voilà, ça sera plus facile et ça bloque les tortues. Ici, on va continuer. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des plots comme ceci. Comment on pourrait faire? J'ai une idée. On va faire comme ceci. D'abord, pour commencer, on va faire un petit enclos assez rond, assez sympathique. Comme ceci, voilà. On va essayer de tourner un peu. Hop, donc je devrais aller chercher du bois aussi plus tard. Hop, on va tourner comme ceci. On va faire un truc assez bien, assez sympathique. Voilà, de ces tailles là. Et on va plus ou moins refermer.
Hop, 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 hop. Voilà, on va rejoindre le bout là-bas. Donc ça, ici, hop, hop, comme ceci. On fait une forme aléatoire, hein, donc comme ça sera un peu plus beau, un peu plus enclos, tout simplement. On va fermer ici, hop, hop. Pareil pour là, on va remettre un. Et comme ça. Ok, donc là on a la base de l'enclos. On va enlever ces herbes ici qui sont un peu saoulantes. Voilà. En même temps, on se ramasse un peu de d'herbe. Enfin, de graines, je veux dire. Hop, 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 hop. Parfait. Ok, c'est parfait. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre du sable. Déjà, notre point d'eau sera vraiment au milieu. Donc, pour les tortues, le point d'eau sera au milieu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit point d'eau. On a du sable juste ici, c'est vraiment parfait. Il faut que je pense à me refaire une pelle. On va faire notre point d'eau un peu au milieu, comme ceci. Tout simplement pour les tortues. Voilà. Donc, ça, ce sera le point d'eau. Hop. On va récupérer tout ça ici. Et on va creuser de plus ou moins de deux, comme ceci. Je pense que ça sera assez bien. Ok, j'ai plus la pelle. Il n'y a pas le bruit où elle se casse. C'est très bizarre. Alors, on a du sable. Est-ce que je pourrais me faire une pelle? Je pourrais me refaire une pelle, c'est ce qu'on va faire. On va travailler de nuit aussi. On est comme ça, nous. Ok, voilà. Hop. Hop. Parfait. Une nouvelle pelle. Et du coup, bah c'est reparti. On va continuer ça. Ici, je voulais mettre, oui, de la terre. Hop. Voilà, ici, il y a un peu de sable. On va creuser un autre enclos. Comme ceci, un autre endroit. On va prendre le sable qui se trouve ici. On va repasser ça par de la terre. Donc le sable, on en aura besoin pour un peu recouvrir au-dessus. On va essayer d'en prendre pas mal. J'en ai dans les coffres, hein, mais j'ai un peu la flemme d'aller en chercher. Et c'est juste ici. Et on peut avoir pas mal de sable. On a carrément de l'eau. Donc ça, c'est plutôt parfait. Donc il y aura une source d'eau qui viendra aussi. Pareil ici. On va refermer la source d'eau. Comme ceci. Voilà. On continue à prendre du sable. Hop, hop. Voilà. Je pense que ce sera suffisant. Pour le moment, on va juste refermer pour pas qu'il y ait de mobs quand on activera le mode hardcore. Enfin, la difficulté plutôt. Voilà. Ça, on peut casser. On va refermer. Voilà. On va faire un bassin comme ceci. On va un peu l'agrandir ici, hein. Voilà. Comme ça, ils ont un peu plus d'espace. Hop. Pareil pour ici. Et ici. Ça me semble plutôt bon. Ça me semble plutôt pas mal. Alors, on va commencer à creuser et à mettre du sable. Et on laissera un peu de terre aussi. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Hop, dans le prochain épisode, on essaiera d'aller chercher des tortues, de les trouver. Donc ça a l'air facile, hein. J'avais déjà repéré en live avec vous quelques étangs. Donc il y avait peut-être la possibilité d'avoir des tortues. J'ai vu qu'il y avait de l'eau, du coup, hop, on va prendre de l'eau. Voilà. On va se faire une petite source d'eau infinie. Hop. Ok. Ok. Et c'est parti. Ok. On va faire comme ça partout. On va déjà installer l'eau. Ok, hop. Hop. Ok. Bon, c'est très très dur à gérer l'eau. Vous voyez que je m'embrouille un peu. Ok, parfait. Ça fonctionne bien. Donc, on va continuer ça avec du sable. Voilà, le sable. Ici, on fera ça et on fera un deuxième étage pour pas qu'elle saute, qu'elle s'enfuit. Tout simplement. Enfin, un troisième étage même. Donc, de ce style. Pour pas qu'elle s'enfuit, en fait. Parce que sinon, elles vont s'enfuir. Mais bon, maintenant, on va creuser un peu. On va mettre un peu du sable. Hop. 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 Comme ceci. Le sable, on va le mettre ici. Non, c'était un peu plus loin. Est-ce que c'était là?
On va le mettre là comme ça. Ça me semble plutôt bon. Hop. Voilà. Donc je vais terminer le sable et on se dira à la prochaine pour un nouvel épisode. Donc c'est des épisodes assez courts comme je vous l'ai dit. Mais comme ça on avance et comme ça vous avez plein d'épisodes à regarder. Comme ceci, voilà. À regarder et c'est parfait pour vous en tout cas. Hop hop. Voilà. Ici on mettra du sable comme ceci. Sur à peu près. Comme ça. Voilà. Ouais, un. Hop, on mettra trois étages avec des barrières au-dessus pour vraiment pas qu'elle s'enfuit. Ici, on mettra une espèce de vitre. Ouais, on va essayer de faire quelque chose de plutôt pas mal. Vous allez voir. Hein. Vous allez voir ce qu'on va faire. Ici, on va continuer à mettre du sable. Donc, il nous en reste 12 à peu près. Hop. Ici, ouais, donc j'ai pas pris les cannes à sucre, mais ici, on va laisser deux endroits vides. On va laisser quelques endroits vides. Ça, ici, c'est moche, on va le remplacer. Pareil pour ici. Hop, voilà. On va mettre ça. Hop. Et il nous en reste un qu'on va mettre par exemple ici. Voilà. C'est plutôt parfait. Du coup, voilà. En tout cas, j'espère que ce premier épisode, enfin ce énième épisode, je ne sais plus à quel épisode on était, vous aura plu. On va continuer l'enclos dans l'autre épisode. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine, c'était iPod Gamer 172. Allez, bye tout le monde. Ciao.